Après, tu me dis, on y va. Bon, ben, bonjour. Je suis un bon Ivoirien d'ailleurs. Et je vais vous présenter une spécialité de chez nous qu'on appelle le garba. Le garba, si vous voulez, c'est de la tchéké qui est fait, qui est fabriqué à partir du manioc. Un peu comme le couscous marocain. Nous, chez nous, c'est de la tchéké avec du poisson frit. Précisément du thon. Voilà, comme ingrédient, on a un peu de tomates découpées, un peu d'oignon découpé et du piment pilé. Voilà, c'est ce tout là qui fait le garba. On ajoute un peu de kimchi et le poulet fait, il est joué quoi. C'est de l'anesthésie locale. Quand tu finis ça, tu prends KO, tu dors direct. Voilà, la journée. À titre de rappel, chez nous en Côte d'Ivoire, le petit déjeuner, c'est pas fait pour avoir quelque chose dans le ventre. C'est pour se remplir la panse. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passait au cours de la journée. Donc quand tu te sers le garba, tu le manges copieusement comme je l'ai fait. Vous voyez, mon assiette est carrément vide. Et là, j'en ai. Je peux tenir encore jusqu'à 18h. Parce que c'est pas où la journée peut m'amener. Tu vas te retrouver quelque part où tu n'as même pas 5 francs pour boire de l'eau ou même pour prendre un petit pain. C'est maintenant que tu vas te rappeler que tu as pris le petit déjeuner. Non, on n'a pas petit déjeuner. Hein. Tout ce qui est déjeuner, c'est pour se remplir la panse. On n'est pas dans un petit café. À midi, on va manger. À 16, on va goûter. Non. Mais malgré cela, on a toujours la force. Regardez-moi comment j'en forme. Comment c'est bien bâti. C'est le garba qui fait ça. Hein. Faut pas jouer le travail. Il faut respecter le garba. Mec, quand même, le garba, franchement, les petits côtés, quand tu finis de manger, forcément, tu as fait une petite sieste quoi. Là, c'est mort pour la journée. Parce qu'il a pris une bonne douche, il a dormi un peu. C'est ça son problème aussi. Donc, faut être sûr que tu n'as rien à faire quoi. Sinon, en vrai, ça va pas. Comme on le dit chez nous, ici, B. Et à mon ventre, ici, rassasié. Ma pensée, elle est pleine. Je peux tenir comme ça jusqu'à 20h. Quelque part, ça me fait économiser. Si je dois boire le café et puis aller manger encore du riz à 16h, manger dans le coup, ça fait beaucoup d'argent. Merci, c'était pour ça. Après, j'ai oublié de souligner quelque chose. Ça ne se mange pas avec la cuillère ou la fourchette, encore moins le couteau. Si tu veux bien sentir et bien savourer le garba, ça se mange à la main, comme je le fais. Tu le prends bien, tu le mâches, tu le serres et allez dans la bouche. Mais si tu dois manger avec la cuillère, avec le couteau, avec la fourchette, c'est sûr que tu vas rien
tu ne vas pas sentir le goût en fait, parce que le contact avec la pomme, ça donne encore un autre goût. Ça donne plus de saveur. Ça rend la chose un peu. On ne peut pas décrire. Avec de l'eau bien glacée, pour ceux qui boivent de l'eau glacée, bien sûr. Ça passe crème. Donc, est-ce que je vais ajouter? Est-ce que c'est pas magnifique ça? C'est trop magnifique. Trop bon. Manger le gaba. Avec une belle vue, c'est un régal quoi. Avec les fleurs en face de vous, vous vivez ça. Alors,